Salut à toutes, salut à tous, comme je suis heureux de vous retrouver. Oui, c'est pas tout à fait terminé pour la révélation finale, Tomb Raider 4. Avec ce niveau, cette petite extension, ce bonus, ou comment pourrait-on l'appeler, ce niveau exclusif qui fut proposé par The Times, le fameux journal britannique. Alors, c'est à l'occasion d'un anniversaire, je crois que c'est le 75e anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, que parut ce jeu, hein, cette sorte de bonus proposé en téléchargement à l'époque, et je m'étais précipité dessus. Un niveau qui nous permettait en tout cas de découvrir ce qu'allait être Tomb Raider 4. Alors, avant de lancer tout cela, avant de vous parler de Toutankhamon, petit retour en arrière sur l'aventure que nous venons de vivre ensemble avec le jeu original Tomb Raider, la révélation finale. Nous l'avons terminé et vous avez remarqué qu'à la fin, eh bien, Lara participait à une cérémonie, la fameuse pesée. Alors c'est pas vraiment la pesée du cœur, comme le veut la légende dont je vous avais parlé dans la vidéo, mais c'est une cérémonie de pesée en tout cas que Lara a dû réaliser. Et figurez-vous, eh bien, grâce à quelques-uns d'entre vous, Pew Teven, mais aussi Eleonore, j'ai pu obtenir cette information supplémentaire qui nous dit que le monstre qui vient nous dévorer, qui vient nous attaquer lorsque nous ratons les épreuves de la pesée, eh bien ce monstre n'est autre qu'Amout, la dévoreuse des morts, la déesse qui, lors de la pesée du cœur, dévorait les âmes des humains jugés indignes de continuer à vivre dans l'au-delà. Elle est représentée avec un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Après le règne d'Amenhotep IV, elle figura sur presque toutes les scènes peintes représentant le jugement du mort par le tribunal d'Osiris. Tomb Raider, la révélation finale et les niveaux exclusifs du Times, eh bien c'est l'occasion de visiter avec Lara une nouvelle partie de la tombe de Toutankhamon, hein, c'est bien sûr de la fiction. On va l'apprendre dans la petite séquence d'introduction. De nouvelles galeries ont été trouvées et nous allons voir ce qui s'y passe. The initial discovery of Tutankhamun's tomb. And this is Howard Carter's original exclusive. But yesterday morning, from our Egyptian correspondent, we received this. Tutankhamun's tomb. New tunnels. I see. I've stayed in bed for less. Our man stumbled across this new dig site. After we received the information, news reached us that he'd been found fever-ridden, hiding nearby, ranting about a new tomb. Now you're getting interesting. Whose tomb? Well, this is why we've called you. I'll see you around. Wait, you'll get nowhere without Carter's original information. He was the first to discover Tutankhamun's tomb and reported exclusively to us. His original chamber layouts and notes lie in the relevant issues in our archive room. Invaluable to the Tomb Raider. Quite. And where are these archives? To finish what Carter started. Voici enfin dans cette tombe de Toutankhamon, ces nouvelles galeries, comme nous l'a expliqué la séquence cinématique d'introduction, découverte donc, et le Times eh bien, nous envoie visiter en exclusivité ces nouvelles galeries de la tombe de Toutankhamon. Alors avant d'en parler, petit point d'abord sur les statistiques du jeu, nous aurons deux secrets à découvrir, c'est un niveau très court, hein, je le précise. Mais bon, avec une certaine difficulté quand même.
Que peut-on dire? Eh bien, nous avons vu un homme, c'est le rédacteur en chef du Times à l'époque où est sorti ce bonus. Il s'appelle Peter Stoard. Il a été rédacteur en chef du Times de 1992 à 2002. Ce jeu-là est sorti en 1999. Toutankhamon, lui, eh bien, était le 11e pharaon de la 18e dynastie du Nouvel Empire. Il naquit vers 1345 avant Jésus-Christ et mourut en 1327 avant Jésus-Christ. Le tombeau de Toutankhamon fut découvert le 4 novembre 1922 dans la vallée des rois sur la rive ouest du Nil face à Louxor par Howard Carter, dont on parlait dans la cinématique. Cet égyptologue anglais avait été chargé d'effectuer ses fouilles par Lord Carnarvon, autre égyptologue britannique. Le trésor funéraire était composé d'objets d'or, d'albâtre et d'ivoire. On va en découvrir quelques-uns dans notre visite aujourd'hui. Toutankhamon est devenu également célèbre en raison de la malédiction du pharaon, c'est ainsi qu'on la nomme, une légende qui naquit peu après la découverte du tombeau lors du décès mystérieux de Lord Carnarvon en avril 1923. Alors, visitons ce lieu avec le premier secret, nous allons aller le chercher. Je vous laisse d'abord apprécier donc les décors. Le premier secret, il est caché, pas là, mais là-haut. Voilà, on ne le voit pas ici, on ne peut pas le voir, il est derrière nous d'ailleurs. Je vais éclairer un peu. Il faut commencer par se rendre dans ce recoin. Pas la peine de ramper d'ailleurs, pourquoi est-ce que je rampe? J'ai tendance à oublier que ça n'est pas nécessaire ici. Voilà, et on va essayer de s'aligner quand même avec la plateforme qui nous permet d'accéder au niveau du dessus. Voilà, nous allons grimper le plus haut possible. Il y a une pente du côté où nous sommes arrivés, vous le voyez, mais il y a un escalier de l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le premier des deux secrets. Voilà, le secret est ici, dans ce recoin. Nous y trouvons de la chevrotine et notre cher fusil. Voilà, le fusil est souvent au tout début du jeu, hein, depuis Tomb Raider 3. Voilà, vous voyez, on peut choisir comme dans l'autre, Tomb Raider 4. Nos munitions, bon, on va descendre, hein, qu'en dites-vous? Alors on va reprendre notre chemin, comme à l'aller. Ah, Lara qui ne jette pas sa torche, voilà, nous voilà bien. Ok, bon on va avancer puisqu'on n'a rien d'autre à faire ici. Voici la première galerie que nous allons visiter et regarder la beauté du décor. Des scorpions nous attaquent. Il y en a 4 au total dans ce lieu. Laissez-les venir près de vous si vous voulez les tuer d'un seul coup. Ça va très vite comme ça, voilà. Lara a du mal à les viser lorsqu'ils sont loin. Nous quittons cette salle, cette magnifique galerie, je la regarde à nouveau tellement elle est belle. Et je vous emmène ici. Avant de continuer, arrêtez-vous dans ce fossé, n'ayez pas peur dans cette fosse. Il y a d'abord cette petite trousse de secours. Et un peu plus loin, des torches, voilà. Puis nous remontons, histoire de progresser toujours et encore. Attention d'ailleurs ici à ne pas rater quelques objets. Au passage, faites très très attention aussi à ce qui va se produire. Je vais vous le montrer, je vais essayer à la caméra. Hop là, si vous restez tout en bas, vous allez être écrasé par cet objet, hein, voilà. Cette sphère avec des piquants gigantesques. Et vous voyez, j'en ai profité pour éviter, donc, en évitant cette sphère, j'en ai profité pour aller chercher des objets qui se trouvent de part et d'autre de cet alignement de chacal. Je redescends et je reprends le chemin initial, plus de danger pour l'instant. Vous repérez ici sur le sol cette sorte de différence dans la couleur. Et là-haut, une ouverture, mais elle est trop élevée pour que nous puissions l'atteindre pour l'instant, alors on va continuer. Et là, vous reconnaissez bien sûr, tout simplement un lieu que nous voyons dans l'introduction de Tomb Raider 4. Et là, nous y sommes pour de vrai, vous voyez, c'est assez sympa. Un trésor, le trésor de Toutankhamon, c'est pas beau ça. Et là-haut, vous le voyez, d'autres objets, on ne peut pas les atteindre, je le précise. On remarque aussi cette petite surface plus en profondeur, sur le côté. Je vous la fais remarquer pour une bonne raison, évidemment. Première énigme, activer l'ouverture du secret numéro 1. Du secret numéro 2. On en a déjà un, je le rappelle, non mais quand même.
Avant de l'activer, je ramasse les objets qui se trouvent dans le coin. On va faire le tour. Tout cet or aurait de quoi rendre fou n'importe quel aventurier, mais Lara, elle, ne perd pas le nord. Même lorsqu'il y a de l'or. Oh, j'ai trouvé un slogan, tiens. Je vous le referai pas, non, promis. Voilà, on ramasse tous ces objets. Et puis, ben, on va s'intéresser à ces gueules de lion sur lesquelles je vais tirer, tout simplement. Regardez. Ah oui, il faut viser quand même un minimum. J'essaye d'orienter Lara, c'est pas évident. Ah, quand même. Voilà, une première gueule de lion détruite. Et on va grimper sur le mur suivant, voilà, pour tuer l'autre. Enfin, pour tuer, pour détruire. Ah, c'était plus rapide. L'autre gueule. Pourquoi ? Eh bien parce que cela va nous ouvrir un passage vers le premier... Le deuxième ! Ah, j'y tiens, hein. Le deuxième secret. Oui, c'est le deuxième. Le premier, je l'ai déjà. Il était tellement proche du début du niveau que je l'ai déjà oublié. Oh. Voilà donc le passage qui s'est ouvert à nous. D'ailleurs, c'est là-haut que ça se passe. Lara n'a plus qu'à grimper à la force de ses bras musclés. Ils n'ont pas l'air comme ça, hein. Mais ils le sont. Alors nous sommes au-dessus de la tête de la statue que nous avons vue tout à l'heure. Et je ramasse une arbalète, vous le voyez. Et des traits. Alors je ne sais plus quel trait. Tiens, on va faire les curieux. On a pour l'instant des traits normaux. Je voulais regarder. Non, pas ce que je voulais faire. Et zéro trait empoisonné. Donc c'est ce que nous avons ramassé, je crois, ici. Voilà, nous en avons ramassé 10 d'un coup. Eh bien, on repart, hein. On peut se laisser tomber ici sans risque. Wow! Ouh, Lara, attention, hein, avec la caméra. Hein. Voilà, faudrait pas qu'elle se cogne à la caméra quand même, hein, avec cette poitrine avantageuse. Nous allons maintenant résoudre une autre énigme, pas facile non plus à résoudre celle-ci, qui vise à déplacer cette sorte de vase en or. Vous remarquerez cependant que sur le sol, il y a des traînées. On voit qu'ils se trouvaient sans doute à l'origine sur la gravure qui se trouve derrière Lara. Donc nous en profitons pour tirer le vase dans le bon sens. Voilà qui est fait. Et je suis attaqué. Ah ben je ne veux pas ça comme arme, certainement pas. C'est pas l'arme idéale pour se débarrasser des chacals. Voilà, ils sont morts. On va pouvoir continuer à progresser. Prochaine étape, eh bien grimper directement sur le bloc qui s'est soulevé, vous l'avez vu dans la petite animation, pour éviter d'autres chacals. Voilà, les chacals ont péri sous les balles de Lara, qui n'a plus qu'à se hisser dans cette conduite que je vous avais fait remarquer tout à l'heure, et qui va nous mener vers un lieu magnifique que l'on connaît lui aussi, un petit peu comme la salle remplie d'or que vous avez vue il y a un instant. Je veux parler d'un bateau, on l'a vu dans la vidéo d'introduction de Tomb Raider 4. Ici, je vous montre aussi ces momies qui dorment, pour l'instant. Et oui, pour l'instant, car vous le voyez, elles se réveillent. Mais rien à craindre, parce qu'il suffit de les éviter ici. On n'a pas besoin de revenir en arrière, normalement, si on a tout ce qu'il nous faut. Je viens me débarrasser maintenant de quelques crocodiles dans la salle suivante. Où sont-ils ? Il faut les trouver. Parce qu'ils ne sont pas forcément là. Ah voilà, ils arrivent. Voilà, j'en ai eu deux, mais j'ai perdu un peu d'énergie, hein. J'espérais ne pas en perdre. Petite maladresse de ma part. Alors, il faut réussir à attirer les autres. On va les laisser venir à nous. Vous voyez, ils sont de l'autre côté. Et vous apercevez cette immense barque solaire dont je vous parlerai dans un instant. Le temps de tuer les crocos.
Voilà qui est fait. Bah dites-moi, il me reste un peu de balles. Ah bah oui, hein, j'ai bien fait de prendre les chevrotines, c'est ainsi qu'on les appelle normalement. Je ressors mes pistolets. Ah, bah je rate... Je rate la plateforme quand même. On va remonter, voilà. Et ramasser ici un nouveau revolver. Très bien. Avant d'aller là-bas en face, il n'y a rien à faire pour l'instant là-bas en face, je plonge ici afin de tenter, c'est pas facile d'ailleurs, hein, d'activer ce levier. Alors vous voyez, je suis dessous, j'ai beau appuyer sur action, ça ne marche pas très bien. Ça a été un peu amélioré dans le jeu lui-même. Je me souviens qu'on avait moins de difficultés pour y parvenir. Voilà, ça y est, Lara se positionne. Je suis au bon endroit. Il faut le voir, ce levier. Je vous avoue que je l'ai cherché pendant pas mal de minutes la première fois que je suis venu ici. Je passe sous la barque solaire. Alors justement, un petit détour provisoire. Hein, on va continuer à avancer. Pour vous en parler, les Égyptiens de l'Antiquité avaient en effet imaginé qu'en s'associant au dieu solaire lors de sa course perpétuelle à bord des barques sacrées, leurs âmes vivraient éternellement. Et oui, le soleil avait une importance majeure, le Nil, et donc la navigation elle aussi, qui a permis à l'Égypte d'être ce qu'elle est. Alors, le culte funéraire a été fortement marqué par ce mythe solaire et par exemple, eh bien, on construisait de préférence les tombeaux sur la rive occidentale du Nil où meurt le soleil. Et lors de l'enterrement, on faisait traverser le fleuve aux défunts sur des barques semblables à celles du dieu solaire. D'ailleurs, j'ai trouvé des photographies que je vous ai montrées ici qui nous présentent la barque solaire de Khéops que l'on a pu découvrir en 1954 au pied de la pyramide que nous avons visitée, la pyramide de Khéops que vous connaissez donc depuis que je vous l'ai montré dans Tomb Raider 4. Bon, bah ici, qu'avons-nous à faire? Grâce à notre manipulation du levier, nous avons ouvert, c'est là-haut, voilà, je ne voyais pas l'ouverture, elle est là-haut, là où l'ouverture, nous avons ouvert la grille qui nous empêchait de progresser. Continuons d'avancer, et nous voilà arrivés tout près d'une nouvelle énigme, l'énigme des jarres. Alors sachez qu'il y en a certaines qui sont piégées, je vais vous montrer comment vous en sortir si vous les ouvrez, si vous les détruisez par erreur. Ah, Lara bouge toute seule. Je détruis cette jarre qui ne contient rien. Alors on va continuer. Je détruis aussi celle-ci qui contient normalement, je crois, des munitions. Oui, voilà. Mais je suis pris parce que j'ai fait une bêtise. J'ai aussi démoli la jarre suivante. Alors pour m'en sortir, regardez, je viens de l'autre côté de cet escalier. Ah, bah les scarabées devraient me suivre, voilà. Ça y est, ils sont tombés. Ils tombent, vous le voyez, directement dans le trou, hein, c'est très pratique. Ah, il en restait peut-être un. Je crois que j'en ai vu un dernier, on va le laisser venir à nous. Non, il n'y en a plus, bon, j'ai dû rêver. Et je vais ramasser... Ah, les piliers, c'est un peu embarrassant ici. Lara se prend souvent dans le décor avec ses piliers. Voilà, je ramasse enfin ces objets-là. Ici, je ne sais plus ce qu'il y a. On va tout détruire, hein, on verra bien. Là, il n'y a rien. Là non plus. Je ne vois pas très bien ce que je fais. Ah si, il y a encore des scarabées. Allez, on les évite. S'ils veulent bien venir. Bon, j'en ai pas vu beaucoup. Ah voilà, cela arrive, c'est très bien. Laissons-les mourir. Enfin, en tout cas, disparaître. Bah, je vois bien d'autres scarabées, je m'en doutais. Hein. Ouh ! Ah ben nous voilà bien. Je vous retrouve dans un instant. Hein. À tout de suite. Alors nous revoici dans cette salle remplie de jarres. Et je recommence mon petit périple afin de trouver les secrets qui occupent chacune de ces jarres. Ici, je le rappelle, des scarabées. Donc on ne s'en occupe pas. Ici, qu'avons-nous? Bah regardez, un viseur. Faut le récupérer. Bah oui. Là, rien. Et dans les autres jarres, eh bien, ce sont des scarabées. Donc je vous ai montré comment vous en débarrasser. Attention cependant au feu. Vous avez vu ce qui m'est arrivé il y a un instant. J'essaye. Bah, là, je n'y arrive pas. J'essaye de grimper au premier étage. On va passer par... par ce côté-ci peut-être. Ce sera peut-être plus facile aussi si je monte ici. Oui, tout à l'heure j'ai pas eu de chance, hein, j'ai sauté dans les flammes. Alors là, nous avons des munitions pour le revolver. Alors on a beaucoup de munitions, hein, vous l'avez constaté, mais elles ne servent pas vraiment. Il y a très peu d'ennemis dans ce niveau. Voilà pour le tour du premier étage. J'ai rien oublié, je n'ai rien oublié, je ne tombe pas dans le feu. Essayons d'éviter une nouvelle fois.
Ici, eh bien, on va attirer ce grand vase en or pour dégager la sortie. On en approche, oui, de la sortie. Le jeu est quasiment terminé. Je suis désolé pour ceux qui espéraient un très long niveau, hein, mais je vous ai prévenu, il est plutôt court celui-ci. Ah, on est coincé. Voilà, on se décoince. Ok, un petit peu plus haut, un autre mystère nous attend, mais d'abord, détruisons encore quelques vases, voilà, pour ramasser des objets qui y traînent. Attention d'ailleurs au dernier de ces vases, ça n'est pas un objet, mais un scorpion. Voilà, on a tout fait de s'en débarrasser, vous le constatez. Qu'avons-nous à faire ici? Eh bien, tout simplement, à utiliser notre viseur laser, car nous n'avons pas assez de hauteur en bas de cette fosse pour grimper. On peut simplement revenir de ce côté-ci. Donc l'astuce consiste à aller dans l'inventaire, on connaît la tactique déjà, et à combiner le revolver avec le viseur laser, à s'en équiper. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs avec l'arbalète, et à tirer hop, sur les têtes de lion, comme ceci. Pas la peine de viser les momies. Non, ça sert à rien, car nos amis les momies vont hélas se relever dès que vous les aurez faites choir. Attention au piège ici, on va pas se faire avoir à ce niveau là du jeu, ce serait dommage. Un autre arrive, voilà, je pense qu'il est passé, et nous arrivons dans la salle du trésor. Enfin, je vous laisse admirer cette découverte du trésor. D'ailleurs, dès qu'on va s'approcher de celui-ci, regardez, une grille se soulève là-bas. Je le ramasse. Et je vais faire face à ma dernière épreuve. On va traverser cette salle, regardez. Et là, eh bien, le danger, ce sont ces scarabées terribles. Hop, on va pas se laisser mourir. Bah, oh non, c'est pas vrai. Allez, à tout de suite. On revient ici dans quelques secondes. Allez, dernière tentative. On va traverser à nouveau cette salle infestée de scarabées. Quelle horreur. Ah, on les déteste hein, lorsqu'on doit y faire face. Voilà. Attention ici, on se suspend. L'idée, c'est de se retourner sur soi-même le plus vite possible, voilà, et de grimper dans le faux plafond. Là, j'y suis, j'ai réussi. Dans ce faux plafond, où nous allons trouver tout simplement l'accès vers la sortie. Voilà, nous avons nos deux secrets, pas de trousse de secours utilisée, et nous allons pouvoir terminer, clôturer ce chapitre. Regardez le générique. Et voilà donc pour cette courte aventure. Alors, avant de vous laisser, je voudrais vous dire que je vous retrouverai encore pour une dernière vidéo autour de Tomb Raider 4 dédiée aux cheat codes. Bah oui, certains de vous les attendent. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Lucas qui m'a contacté et qui a réalisé un blog qu'il est en train de faire évoluer jour après jour autour de Lara Croft. Alors je le signale ici, c'est trlara-croft.skyrock.com. Ça fait mal de mettre le nom de cette radio sur ma vidéo, mais bon allez, je le fais par sympathie pour Lucas qui a en plus la gentillesse de publier mes vidéos. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien, et à très vite donc pour un nouveau et dernier numéro autour de Tomb Raider, la révélation finale.